Bien, je vous retrouve du coup le lendemain. On est l'après-midi, donc du coup il fait beaucoup plus clair. Et en plus il y a beaucoup de soleil, donc là je suis fort illuminé, ça se voit un peu je pense, mais bon c'est pas trop grave. On va dire que voilà, hier c'était les ténèbres et aujourd'hui c'est la lumière. Donc, on va continuer. Je sais pas si cette vidéo, si je ferai tout en une seule vidéo ou bien je vous ferai deux vidéos pour deux boss chacun. Mais allez, on va aller affronter les deux autres boss du Quatuor qui se trouvent là-bas et là-bas. Et là, on a une nouvelle variation du temps. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ouais, on a de la pluie, pluie, on dirait de la pluie empoisonnée, c'est très formidable. Allez, on va faire les deux boss. Ok, très bien. Ouais, mais là, voilà, avec la balle bonus, je monte de niveau, un truc de dingue. Ah, purée. Et bah voilà, je deviens de plus en plus fort, c'est cool. Bon, on va tout mettre là-dedans, voilà. Bon, on se perd un peu ici, mais bon, en plus, comme c'est pas très bien éclairé, on voit absolument rien. Bon, pareil, hein, c'est des coffres. Je les trouverai en off, ça c'est pas un souci. Bon, je suis fort éclairé, hein, non, mine de rien. J'arrête pas de me regarder, je suis fort éclairé. Bon, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude de tourner en pleine journée. Mais bon, là. Voilà, hein, je ne pouvais pas faire autrement. De toute façon, j'étais là cet après-midi. Allez, c'est parti. Sire Bastial, baron des bêtes et membre du Quatuor. Nos chemins se sont déjà croisés? Arago. Et vous étiez déjà collé à votre frère, Maître Dolph. Ok. À mon avis, lui, plus sur le physique, donc on va peut-être utiliser des super accéléro déjà. Tout, on va faire méga protection. Faire un petit tilt. Il est tout seul, attention. Oula. Il est tout seul, il n'a pas de copain avec lui. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me soigner. Je vais combattre un peu trop vite, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est cool. Haha. Oh. Voilà. En vrai, je peux me permettre de faire combattre. Pas pourquoi il fait torpeur ciblée. Elle s'entête à faire torpeur ciblée, hein, alors qu'elle pourrait juste faire. Giga glace, ça lui ferait très très mal. Dans tous les cas, on voit bien qu'on peut pas aller au-delà de 999.
Et voilà. Bon, je commence à être un peu fort. Après, voilà, regardez mes monstres, niveau 70. J'ai pris beaucoup de niveaux au final. J'avais mis une balle, moi, juste pour, au final, avoir des PM en plus. Des PM. Des points de compétence en plus, hein, concrètement. Parce que je voulais monter quand même la sagesse à fond de Estalinda. Sauf que, bon, voilà, j'ai pris pas mal de niveaux. Et comme pour l'instant, je n'ai pas de synthèse. J'ai des monstres en tête, hein, je vais les faire. Jusque là, pour l'instant, j'ai pas eu trop l'occasion de faire. J'ai commencé un petit peu, mais il me reste encore pas mal à faire de synthèse. Ok, bah très bien, il me reste plus qu'une dernière. Bah écoutez, on va se diriger vers la dernière. Petite mini-médaille. J'ai utilisé une petite balle passe-saison, là, histoire de pouvoir récupérer ce truc là parce que je passe devant, je vois qu'il y a un coffre, je peux pas le récupérer parce que l'eau elle est pas gelée, donc bon, j'avais la flemme d'attendre parce que j'ai jamais le temps moi, de toute façon, mais bon, j'ai pas le temps d'attendre non plus que la saison passe, j'étais au milieu du curseur, donc la petite balle qui fait du bien. Oh, les monstres ils ont peur de moi, mais en même temps je suis niveau 70. D'ailleurs j'ai toujours pas J'ai envie quand même de tester la deuxième team pour voir ce que ça donne, mais en vrai, je peux, hein. Est-ce qu'on tente? Allez. Moi, je dis, on peut tenter. C'est vrai que ça, j'utilise jamais. Alors, j'ai fait un rang X. Au final, je l'ai jamais mis là-dedans. Le truc, c'est qu'en fait, lui, il a des compétences bien. Parce qu'il a Mega Protec et tout. Lui, il a pas de compétences avec Mega Protec. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant. Alors, le dernier. On va voir si la team secondaire est capable de gérer toute seule. Ou pas. C'est toi le boss? Ouais, c'est toi le boss. Le deuxième fils du Seigneur Randolfo, je me présente. Sir tout. Tadrak, duc des dragons et membre des co-tueurs. Très votre jeune frère, Arago le cheminot. Demandé de qui était sa mère. Ah, il paraît que c'était une elfe au pouvoir extraordinaire. Personne ne sait où se trouve des... Une menace pour Nadiria. Ok, donc on ne sait pas encore la mère de notre frère, celui qui a essayé de nous tuer. Hein. Alors, avec cette team là, on va essayer de faire ça, et puis ça, parce que je sais pas trop, bon, déjà on fait mal. Ok. Ouh. Ok. Oh, tu peux faire super isolation, toi. Ça serait pas mal. Bon, ça, c'est un peu chiant, par contre. Mon coco. Il reste quand même stylé un Corvus. C'est un monstre que j'aime beaucoup. Attention quand même. C'est sûr qu'on fait beaucoup moins mal que l'autre team, mais bon, c'est bien aussi de changer de temps en temps. La team, je gagne assez facilement quand même. Corvus, tu vas quand même te faire un
Voilà, hein, ça me paraît bien, je pense. Je vais soigner... Allez, un petit multi... Non. Un petit remède spécial. Bon, il est un peu chiant, hein. Bon, il est chiant, là. Oh non. Ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Pourquoi il est en frénésie, ce con, aussi? Alors, toi... Bon... Un peu moins cool, là. C'est pas grave, on a vu quand même que la seconde team pouvait quand même faire quelques petites choses. Bon, mais lui, par contre, le problème, c'est qu'il paralyse, il étourdit, et puis, bah là, il s'est mis en frénésie, aussi, ce con. C'est pas grave. Ah, mais par contre, ouais, c'est l'armure qui est mort. Merde. C'est pas grave, regardez. Mega Protec. Tu vas faire. Tilt. Et on va attaquer. Allez, venge la team secondaire, mon petit pote. Là, il faudra que je la remplace, l'armure. Mais je lui donnerai les... Au prochain moment, je lui donnerai les compétences que l'armure avait. Bordel, il fait mal. Tu te fous de moi? Ah. Oh. Ok. Un petit Rosalie d'Asile. Hein. Ça... Frénésie fait mal. Et... Ouais, hop. C'est bon. Giga glace. Voilà, ok. Bon, c'était le plus chiant parce que lui, c'était les altérations d'état qui étaient embêtants quand même. Mais bon, on l'a battu. Eh ben, c'est comme ça. Écoute, je suis doué. Ouais, et ben on va s'arrêter là du coup. On va s'arrêter là. J'ai peut-être encore un petit coffre sur le côté à récupérer. Mais concrètement on va stopper là. Et donc la barrière a disparu. Ok, très très bien. On va pouvoir... écoutez, on va pouvoir aller dans la tour de Rose Colline. Et puis bah écoutez, la prochaine fois, let's go vers... vers le boss. Donc c'est notre père ou notre frère? Je sais pas si c'est Dolph ou les deux. Dans tous les cas, on verra ça la prochaine fois. On se laisse là pour cet épisode ou ces épisodes. Hein, puisque je ne sais pas si je ferai en une fois ou en deux fois. Ça dépendra du temps total de la vidéo. Bref, on se laisse là. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis maintenant on se retrouve bientôt pour la suite. Allez, bye tout le monde.